Hey yo tout le monde, ici le marteau et vous êtes sur Totalement Marteau. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'en fait j'ai enregistré la vidéo mais sans le son. Donc là je vais me doubler. Alors aujourd'hui c'est la vidéo spéciale de la mise à jour 3.4.4.0. Il y a les habits Noël, regardez les petits habits que j'ai de Noël, tout mignon avec mon petit bonnet, mon petit Alice Pack, machin, tout ça. Voilà. Alors, donc ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est les véhicules. Enfin, de nouveau, ouais. C'est les véhicules. Qu'est-ce qu'il fait le marteau? Il nous montre les véhicules, voilà. Donc, il y a le camion de pompiers. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Non. Ok, je pense qu'il va nous montrer le premier. Il est malin, il est malin. Alors, donc le premier, c'est un... excusez-moi, un pick-up. Je vais pas conduire avec, je sais pas pourquoi. Oh, pourquoi il conduit pas avec? La deuxième, c'est une voiture citadine qui roule très... Tous les véhicules roulent très doucement, hein. Voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que le marteau ne les teste pas tous. Mais je pense qu'il nous en réserve un, il me semble. Ça, c'est le véhicule... le premier véhicule qui avait été intégré dans la bêta 3. Oui, marteau, il nous fait un petit signe. Apparemment, il a compris ce que j'avais voulu dire. Ça... Qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça c'est le véhicule, le roadster. Le véhicule très rapide. Ça c'est le van. Alors là vous voyez, voilà la visibilité au niveau du van. Il y a la fenêtre arrière, donc on peut bien voir à droite, à gauche et derrière. Si on se fait poursuivre par un petit malin, ça c'est la berline. La berline, 4 places, confortable, direction assistée. Et nous partons sur la voiture de police. Apparemment, je crois que le marteau a décidé de faire un tour avec. Voilà. Il active la sirène, ça l'amuse apparemment. Je pense qu'il va nous faire un petit tour de piste. Je ne sais pas où il va aller. Donc, pour utiliser la sirène, vous le savez bien sûr. Ah, il klaxonne. Utiliser la sirène, c'est contrôle. Marteau, tu t'arrêtes s'il te plaît? Merci. Je pense qu'il va jeter la voiture. Et voilà, qu'est bordélique ce marteau. Maintenant, il nous teste donc le camion de pompier avec son klaxon bien grave. Oui, marteau également. On peut avoir donc une sirène dessus. Et voilà. On jette les véhicules n'importe où et on les fait se cracher. C'est bien ça. Donc voilà, le pick-up, la citadine, le 4x4, la voiture de sport, le van et la berline. Et maintenant, je pense que le marteau va se faire plaisir. Il va prendre la voiture qui roule le plus vite et nous faire donc un petit tour avec cette voiture blanche, voiture de sport, plutôt agréable à conduire. Voilà, je sais déjà qui va aller en ville et qui va écraser des zombies avec, effectivement. Voilà, donc que dire sur... ben voilà, je vous ai montré tous les nouveaux véhicules. Alors, pour les faire apparaître, moi j'ai utilisé une commande. La commande, vous appuyez sur la touche entrée, vous faites arrobase vehicle en anglais, espace, donc votre nom, et slash le numéro ID du véhicule. Vous le trouverez bien sûr sur la mise à jour sur Steam. Donc, voilà, et vous avez aussi la possibilité de vous donner des items, hein. Donc quand en fait des fois vous me mettez dans les commentaires j'ai raté ça, je sais pas où c'est ça, machin. Non, moi en fait j'ai la possibilité de me faire apparaître tous les items par la commande serveur, voilà. Donc beaucoup de personnes, enfin beaucoup, quelques personnes m'ont demandé, ont été tristes de pas avoir vu les smokes. Voilà, apparemment marteau nous montre la présentation des smokes. Et on montre aussi que les zombies sont attirés par les smokes. Voilà, donc c'est fabuleux. Et le marteau est aussi joueur. Il va lancer une grenade au niveau des smokes pour tuer tout le monde. Bravo marteau. Je tenais donc aussi également à vous dire que je veux remercier énormément pour le soutien du projet de décapitation. Ça prend belle forme. Apparemment, il y a aussi beaucoup de personnes à l'international qui sont très intéressées et très friands de cette décapitation. Voilà, je pense pas que ça soit très,
très violent ou quoi, hein, on n'est pas obligé de rajouter du sang dessus. Le développeur a déjà largement mis assez de sang sur toutes ses précédentes versions. Un morceau de pixel qui s'en va dans les airs, ça ne change rien, mais par contre, ça propose énormément d'immersion. Donc voilà, donc je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. Donc je pense que ça va être la dernière vidéo pour ces fêtes-là. Je vais me reposer et passer ces fêtes de Noël en famille. Donc je vous souhaite une très bonne année. Je ferai peut-être une vidéo spéciale PVP pour Noël, c'est pas sûr. Donc je vous souhaite une très bonne année, passez de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt. Je vais reprendre l'activité après les fêtes. Donc restez connectés, à très bientôt, ciao ciao.